En mai 68, Richard Praski a 23 ans. Futur président du CRIF, le comité représentatif des institutions juives de France, il est alors un tout jeune médecin. Un avenir tout tracé. Je viens d'être nommé un mois avant interne des hôpitaux de Paris. J'étais étudiant en médecine, donc je m'étais préparé à l'internat et j'étais reçu cette année-là. Et c'est un élément marquant, d'abord marquant dans la vie, parce qu'on a passé un certain nombre d'années à travailler sur l'internat, qui à cette époque était un concours très, très prestigieux. Ça veut dire qu'on va entrer dans une espèce d'aristocratie de la médecine, et a priori, l'avenir est très, très clair. Une génération où tout le monde était de gauche? C'est la génération qui a été trop jeune pour être envoyée en Algérie, mais qui a été suffisamment âgée pour participer aux événements et aux manifestations qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens donc Charonne, par exemple, ou toutes ces grandes manifestations à l'époque du putsch d'Alger. Et donc tous, quoi qu'il en soit, nous étions imbibés de la culture de l'époque, c'est-à-dire les grands noms, c'était évidemment Jean-Paul Sartre, le marxisme que la plupart n'avaient pas lu, surtout en médecine où on avait d'autres choses à faire que de lire ces livres-là. Ça faisait partie des données de la vie. C'était quelque chose qu'on considérait comme finalement tout à fait cohérent, logique, scientifique. Un 68-art peu engagé. Je ne sais pas pourquoi ni comment, je me suis retrouvé à Jussieu dans les cours de ce qu'on appelait le PCEM à l'époque, les étudiants en première année, pour leur expliquer comme la situation des médecins était terrible, difficile, et qu'il fallait absolument soutenir ce mouvement étudiant qui était en train de se constituer. Et puis oui, j'étais dans la service médical à la vieille fac de médecine, tout près de Saint-Michel, quand il y a eu les événements, on a reçu essentiellement des manifestants qui avaient des irritations liées au gaz lacrymogène. Pas plus. Être juif en 1968. Non seulement j'ai pas ressenti le moindre antisémitisme, mais la question ne se posait même pas. D'ailleurs, elle était résolue par ce slogan. Nous sommes tous des juifs allemands. C'est étonnant lorsqu'on y pense, finalement. Un an auparavant, en mai 1967, j'avais aussi défilé dans les rues parce que j'étais dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver à Israël. C'était avant la guerre des six jours. En mai 68, la question ne s'est posée à aucun moment et jamais je n'ai, disons, le fait que j'étais juif n'a pas du tout influencé ni les discussions que j'ai pu avoir, ni mes prises de position, ni ce que j'ai entendu autour de moi. CRS-SS. J'ai répété aussi les slogans, comme tout le monde. Parmi les slogans, il y avait évidemment CRS-SS. Et moi, j'ai répété CRS-SS, comme des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes. C'est pas possible quand même que moi, Richard Prasquet, dont une grande partie de la famille a été exterminé par les nazis, c'est pas possible que je crie CRS-SS. C'est pas possible. Et ça m'a poursuivi pendant très longtemps. Alors il est clair que quand on est dans une manifestation, on crie ce que les autres crient. Il y a ce sentiment, cette volonté d'être en communion avec nos voisins, ceux qu'on ne connaît pas, mais qui marchent du même pas, qui vont vers la même route, qui ont les mêmes préoccupations. Donc on a les mêmes cris. Ça domine tout. Mais ça veut dire que nous avons
complètement perdu notre libre arbitre. CRS, SS. Impossible que si j'avais réfléchi 15 secondes, je me serais abstenu. Et en vous disant ça, je pense, évidemment, je ne fais pas de comparaison, bien sûr, mais je pense à ces foules qui levaient le bras lorsque Hitler parlait. Je pense à cet homme que l'on voit sur une photo, cette photo célèbre, où on voit un homme, un seul, les bras croisés, alors que toute la foule lève la main pour faire le salut nazi. Je me dis que c'est très compliqué et que les mouvements de foule, c'est extrêmement dangereux. Le slogan lui-même, ça n'est pas une parole, c'est un acte performatif. Ça transforme une réalité. Et ça, j'en ai été très conscient. Et j'ai eu l'impression, un peu après, en y réfléchissant, sur le moment même, j'étais pris au jour le jour. Mais il faut quand même très peu de choses pour des slogans comme cela que l'on a fini par adhérer, et puis petit à petit on s'engage sur des routes où on ne voulait pas du tout s'engager au départ.